Didier Deschamps apporte son soutien à Paul Pogba. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Paul Pogba a été confirmé positif au test de la testostérone, les amis. Du coup, donc, il sera très certainement suspendu. Et Deschamps, son sélectionneur, a apporté son soutien. C'est toujours bien d'avoir le soutien de son sélectionneur. C'est vraiment, ça te booste en termes de morale, mais c'est dommage parce qu'à mon avis, Pogba ne jouera plus au très très haut niveau. Parce que si là, minimum, là, c'est 1 an, les amis. Même s'il a même 8 mois. Est-ce qu'il va encore jouer très très nouveau? J'en doute très très fort. J'en doute vraiment fort. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Paul Pogba peut encore jouer au très très nouveau? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.